Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture Yu-Gi-Oh! De folie. Enfin, de folie, je l'espère, pour vous, pour moi, pour le show, pour le spectacle, pour l'humanité. Puisque nous allons nous ouvrir, pas une, pas deux, pas trois. Bon, c'est bon, on a compris, tu vas en ouvrir combien là? Tu casses les bonbons à tout le monde. Mais nous allons nous ouvrir 10 Tin Box Yu-Gi-Oh! 2021. Alors là, les amis, là, c'est un beau carton du marché, putain. Alors avec ça, j'espère vraiment qu'on aura du lourd, les amis, parce que croyez-moi, je l'attendais de fou cette box. Donc on va tout de suite passer sur la deuxième caméra pour s'ouvrir tout ça. Donc ce que je vous propose, les amis, c'est que je vais déballer tout ça, je vais sortir les boosters, etc. Et comme ça, on ouvre que les boosters, etc. Sinon, si j'ouvre à chaque fois chaque boîte, ça va être un peu relou. Alors, let's go! C'est l'heure du duel, je suis le roi des jeux. Alors les amis, nous voici, nous voilà. J'ai déballé toutes les boxes, hein. Elles sont toutes vides, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai tout déballé et j'ai mis tous les boosters à l'intérieur. Donc encore une fois, on n'a pas de carte promo. Donc attends, là c'est l'instant coup de gueule. On n'a pas de carte promo et ça fait 3 ans que le design des tin box c'est les mêmes. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais c'est pas grave, on s'en bat les steaks. Puisque regardez-moi cette beauté, regardez-moi tout ça. Il y a 30 boosters donc à l'intérieur de ce petit carton. Et voilà, regardez-moi ça, c'est plus beau que des lingots d'or, les amis. C'est plus beau que des lingots d'or, je vous jure, la vie de WAM, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on va s'ouvrir ça tout de suite. Illico Macias, les amis, je suis trop pressé. Je mets mes petites lunettes du Turfu et ça va être parti. Donc les amis, je vais prendre quelques boosters et c'est parti les amis, on va pas perdre plus de temps. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc regardez-moi ça. Qu'est-ce que je recherche à l'intérieur? Plein de choses. tout. J'ai vraiment hâte. Oh là là, j'ouvre ça comme un barbare, j'en ai rien à secouer. Alors, Trip Gookie. Artisan des profondeurs, IQ, alors tout ce qui est Ignister, je prends toujours, même si je les ai 400 fois, c'est pas grave. Descente de torpille, Arclet, Jardine, Jangrak of Terror, Ordre de Diapason, Arme Noble, Inferno, Durandal, les Chevaliers Fantômes des Chauves-Souris. Alors ça, c'est trop lourd de l'avoir réédité, parce que la carte est trop stylée. Je vais pas lire tous les effets, faites pause si ça vous intéresse. Derrière, on a Dogmatica, Fleur d'Alice, l'Adoubé et Talent des triples tactiques qu'il me fallait, bordel de steak. Oh là 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 là, ça commence très bien, les amis. Ça commence trop bien. Alors, ça c'est une carte de ouf qu'il faut mettre dans tous les decks, je vous jure. Ah, je suis vraiment content de l'avoir dès le début, dès le premier booster. Ça commence bien, les amis. Assaut de l'air, AS Rose en secret, elle est magnifique. Merci, madame, pour tout ce que vous faites. Argument de vente, Pingouin courageux. Éveil des possédés, Giga Gobit, Cathy Melfi, Magus Chevalier Noble Inferno, Bleu Merce Fourrure, Soulèvement de l'Ange Déchu. Ibella Lutilla, Luvo. Ils ont des noms de ouf, ils ont des noms de ouf, à chaque fois j'arrive pas à les prononcer. Codeur Bavard à l'envers, super. Appareil d'apprenti jetable, Alpha Stolfo Chevalier Noble Inferno, Salamangrande Zebroid X, Arme Noble Inferno Durandal. Le même booster ou quoi? Wesh. Ah non, c'est pas du tout le même booster, puisque derrière on aura Kirin du monde virtuel Lily, et ensuite on aura Alpha le maître des bêtes, super. Prison du dragon de glace, putain, qu'est-ce que... Franchement je râlais, on n'a pas de carte promo, mais qu'est-ce que l'intérieur est stylé. On a plein, elle du raid, les amis, pour le deck Red Raptor, c'est super, carte indispensable au deck Red Raptor, hein. Franchement, à jouer x3 obligatoirement. Et ça fait plaisir de l'avoir réédité, tout simplement. Blizzard, Arc Démon de la Mort Enfernité, Destruction d'Ogre Gookie, Nation Dogmatica, Ange Déchu Capricieux et Surprise à la main. Pégase devant Ignister, Malédiction du Dragon, le Dragon Maudit que j'avais pas, Diapason Cramoisé Super 4, Rancigal, Croco Dragon Archétique Vorace, Patronus, Gizmec, les Gizmec, je peux plus me les blairer, je peux plus les voir, j'en ai trop, ils me saoulent, ils me servent à rien. Je vais créer l'association Gizmec sans frontières. Envoyez tous vos Gizmec, on les donnera à ceux qui jouent Gizmec. Analysateur inflexible. Oh, et Ria, la charmeuse d'eau gentille. Alors, elle, très bonne carte. Très jolie carte. Et la voir, ça fait plaisir. Puisque je ne l'avais pas. Voilà. Merci, madame. Perse Ténèbres, super. Et Malice, dame de la lamentation. Porte du monde virtuel, chuche, cristal inflexibateur aptite, la petite, ouais, accélérateur cybers, griffe des chevaliers fantômes du Red Raptor qu'on a en commune, mais la carte est toujours aussi jolie, donc ça pose pas de problème. Prufinesse, le trappeur tactique, cristal inflexipateur lionite.
Alors, Dragon de Lumière, Ignister en commune, ça fait chelou de le voir en commune, mais ça fait plaisir de le récupérer encore une fois. Prima Donna des Profondeurs, Gaïa le Chevalier Magique, Ombre High, ces tin box sont folles. Elles sont folles, il n'y a que des trucs de ouf à l'intérieur, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que qu'est-ce que je cherche dedans? Bah tout simplement. Ombre High, Sentinelle des Profondeurs, Tombeur de Daruma, Chariot Samouraï, Supra Lourd, Linguribo. Très bonne carte, Linguribo. Carte très emblématique hein, du deck Ignister et de Yu-Gi-Oh! Vrains, forcément, donc ça me fait super plaisir de la récupérer encore une fois. Rencontre des fantômes d'une fille manuscrit Mayakashi, ouais, j'en ai rien à secouer. Dogmatica Maximus, Win la canalisatrice de vent, très bonne carte également. Dragonirène Rangement, Fureur de Caillou Rushin, Katimé les filles, Mojus Chevalier Noble Inferno, Izine nanana, nanana, Griffe de Fer Gouki. Soldat Gaïa, le Chevalier Implacable. Alors toutes les cartes Gaïa, ça fait plaisir de les récupérer. Salamandre Zébroïde, Dragon de Lumière encore une fois, Prima Donna des Profondeurs, Gaïa encore Watt, Chercheur Inexplicitateur, Dragon Noctovision, Wendy Marionnette de l'Ombre rit. Ça fait super plaisir, qu'est-ce qu'elle est belle. Merci pour tout madame, c'est super. Rencontre encore une fois qu'on avait déjà eu. Seglair le Dragon Lunaire Lumineux. Bah, il illumine en tout cas, il est magnifique. Force magie en plus des chevaliers fantômes, très bien. Fenimel. Alors, lui, Fenimelfi, là, il commence à m'emmerder sévère, je vais pas vous mentir. Alors, les Melfis, là, ça va. Hein. Oh là là, oh là, mais j'en ai combien? Ça me saoule. On continue le sale avec le requin lanterne, malédiction Kujikuri. Exécution du contrat, artisane des profondeurs, Fidran le mage, le vent de la malice, ordre du diapason, chien de meute magique. Alors très bonne carte ça, très bonne carte, la récupérer ça fait plaisir. Portrait démoniaque, ouh, putain, Ignister Island. Alors cette carte, je sais pas combien elle cote aujourd'hui avec la réédition etc, mais elle cotait 20 balles je crois. Parce qu'elle était, elle est tellement cheatée en même temps pour le deck Ignister à jouer 3 fois minimum. Alors je suis tellement content de la récupérer. Un truc de fou. J'aime trop cette carte. Albaz le déchu. Rocher du monde virtuel là-haut. Alors Dragonirène rangement. Je crois qu'ils ont mis ça dans tous les boosters. C'est pas grave. J'ai eu mon Ignister Island. Je suis très content. Tac. Et alors cette ouverture est complètement folle. Hein. Alors Patronus, je vais m'excuser, j'accélère un petit peu sur les cartes communes qui servent à rien, puisque j'ai 30 boosters à ouvrir et la vidéo va durer 6 ans et ça va emmerder tout le monde. Ok, Capitaine Roland, merci, Analysateur, merci. Ouh, je m'en bats les steaks. Ouh, encore plus. Ouh, par contre ça, mais c'est quoi cette ouverture de fou là? Ça y est, la roue a tourné. La roue tourne, va tourner les amis. J'ai eu que des trucs de merde dans mes récentes ouvertures. Et là, j'ai que des trucs de ouf. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est un truc de ouf. C'est trop bien. C'est trop bien. Gaïa, le chevalier magique des dragons, je l'avais pas. Et oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est stylée. Alors, les Melfis, allez chez votre mère. Tac. Gigagobit, encore une fois. Et encore une fois. Uvua boucle haute CD, codeur bavard à l'envers, appareil d'apprenti jetable, Alteteur, Salamandre Zébroïde X, destruction mutuelle à fourrer, arme noble inferno, je m'en fiche. Oh, c'est pas possible. Je vais pas choper les trois. Mais on est où là? Alors, c'est ça le paradis, ça y est, on y est. On y est les amis, on est au paradis, ça y est, Ignister Island. Oh là 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 là, je suis tellement content d'en choper une deuxième si j'arrive à en avoir trois, mais oh là là. Oh là là, c'est pas possible d'être trop. Oh là là, que des trucs de ouf, ça je m'en fous. M'en fous. Et je m'en fous. Ça y est les amis, je commence à transpirer ma race parce que je commence à avoir des trucs de ouf et ça me fait plaisir. Descente de torpille, fête du lien, Templier des Ténèbres, Ignister en commune. Très bonne carte que je joue de x2 dans le deck Ignister perso. Très bonne carte, hein. Carte emblématique de Vrains encore une fois, donc ça fait toujours plaisir. Même en commune de la récupérer. Arma Noble Inferno, Appel à Arsenal et Wendy qu'on avait déjà et qu'on a eu déjà eu. Et Sentence Dogmatica, je m'en tamponne le coquillage sévère. Fusion Spirale, ok ça c'est intéressant. Inezumi Anabi, Capitaine Oliver. Oliver, ouais.
Résonance nanana, Pingouin courageux, Bleu Merce fourrure. Astolfo, Chevalier Noble Inferno, Fête du Lien, Ombre Aïe, Destruction Mutuelle Affourée, Gagné Artisan Sorcière, Requin 6 Circulaire. Alors tout ce qui est requin, je prends, hein. Franchement je kiffe cet archétype. C'est joué par Shark dans Exhale, ça fait plaisir. Tac, Aria des Profondeurs, oh les noms du Yu-Gi-Oh, je vous jure, c'est de pire en pire. Laissez tomber l'orthophoniste, lisez des cartes Yu-Gi-Oh, ça aide à la diction. Shurag, Tri-Brigade du Mauvais Augure. Alors, dites ce nom 10 fois, vous aurez des chocs à pique. My Him du Monde Virtuel Lulu. Mais comment ils font les mecs qui jouent en tournoi avec des cartes aussi compliquées à dire? Comment ils prononcent pas le nom? Ils disent j'invoque cette carte, ça me fait pas chier. Rêve Toffin, Ok Gourmand, Lampdraton, Magellinica, Accélérateur Cybers, Confrontation Tri-Brigade et Panda Jabber. Cambriole Florissante, Rafale Lien, Destruction Mutuelle Affourée, Attaque TAI, Templier des Ténèbres encore une fois, Fille de la Rose en commune, Arme Noble Inferno, Portrait Démoniaque, je m'en fiche, Éveil Inflexipateur, Léonite, et derrière on aura de la merde, c'est pas grave. Ouh, Raviel, ah, ils ont fait des nouveaux artworks, je savais même pas. Wesh, je savais pas. Raviel, c'est un espagnol, il s'appelle Javier, empereur des fantasmes, frappe chatoyante, oh lolo. Oh Javier, merci pour tout frérot, argument, elle est magnifique, oh ça dans un classeur les amis, ça n'a pas de prix. Argument de vente, griffes des chevaliers fantômes, Verspanato, la guêpe foreuse, c'est chaud, Cristal Inexplicatier Melfi, Arc démon de la mort enfermité, et Magalanica, la clé des profondeurs. Requin Lanterne, ça fait kiffer, Appareil d'apprenti jetable, Ogier, Chevalier Noble Inferno, Pluie Bozu, Arclet Jungcraft, Gussari Ignister, très très bonne carte, moi je la joue x1, mais elle est très très forte. Alors lui, qui joue ça? Brigandier, Nom du Tonnerre, et Titankinka, le Dragon des Cendres. Roi des Bêtes Barbaros et Dragon Irene chez où je m'en fiche totalement. Chevalier du Raid, ça par contre, je m'en fiche pas du tout. Ça fait grave plaisir de le choper. Cristal Inflex, Répateur Léonide, Katimel, les Melfi, allez vous faire Agde, allez vous faire Melfi. Panda Jabber. Oh là là, ça y est, il commence à avoir des boosters partout par terre là. Oh là là, Rafale Lien. Attaque TAI. Templier des Ténèbres pour la 870e fois. Jacobolan en commune, mais je m'en fiche. Altaïs, ouais, Almerux, Traptrix, Nerval, wesh, Nerval, m'en bats les steaks, Albaz, le déchu, et oh, Javier, aïe, Javier, putain, trop stylé, sur son premier design, bah écoutez, je l'avais qu'en anglais dans la boîte GX, là, je l'ai en français, bah écoutez, je l'avais pas, ça fait plaisir, bah de Javier, ça fait plaisir, ah mais non, c'est pas le même, l'autre, c'est autre chose, mais ça reste Javier. Fusion spirale, cristal inexpiritateur, charge du noyau ténébreux, la punité inflexipateur, mentalité inébranlable du raid, griffe des chevaliers fantômes et la guêpe fourreuse. Les amis, c'est historique ce qui se passe dans cette ouverture, on a que des trucs de fou. Marincesse, ouais, si tu veux, ouais. Chercheur machin, arrière. Je l'avais pas, elle est très très belle, merci madame. Gizmec, alors les Gizmec, je vous ai dit, je peux plus les blairer, ils m'emmerdent sévère. Malice, Dame, Porte du Monde Virtuel, bon. Alors là, on a eu un booster avec des Melfi, et genre, tac. Alors là, c'était un booster un peu, hein, sans commentaire. Le chat zombie à 9 vies, avion de chasse Belcat, cambrioleur florissante, Guenny, artisan de sorcière, Gookie, le puissant ogre, IBC la Lutea, Rugal Tri-Brigade, ouais, Chariot Samouraï. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, bah, c'est magnifique. On enchaîne, Gyehi, du monde virtuel. Ouh, Javier, encore une fois. Ah, du coup, là, c'est frappe chatoyante. L'autre, c'était Javier, tout court. Pilote Union, surprise à la main. Pierre Ellis, monstre élevé en plein air, soulèvement de l'ange déchu, tac. Et les Melfi, allez chez votre mère. Astolfo, le Chevalier Noble, Inferno, Magicien Proxy Yves, Gussari Ignister, Fête du Lien, Renaissance I2, Dragon de Lumière Ignister, Alomerus Traptrix, membre du tour. À ouverture des portes de l'esprit, Je m'en contrefous et Chaos Marnade de l'Ombre et Dogmatica. Alors là, je vais pas râler parce qu'on a quand même eu des trucs de ouf. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond les amis, on tourne en rond.
on a souvent les mêmes choses. J'ai ouvert le booster trop bien. Trip Wookie, Rituel Dai, Maestrel des Profondeurs, Fidran, le Vent de la Malice, Doyon Ignister en commune, Fille de la Rose également, encore lui, encore Watt, Fumier, ça fait plaisir, Arme Noble, et alors Barbaros, hein, m'emmerde. Wendy, merci madame, et Dritron, Zeta Aldihabah, ok. Port du monde virtuel, Melfi, Ange des Chuyaté, Maison pour Melfi, Ange des Chuyamargal, et nanana, nanana, et Oliver. Prima Donna des Profondeurs, Apprenti d'Apprenti, 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 Pluie Bosu, Dévoilement Artisan Sorcière, Gussari, Ignister, Armenob. Alors cette carte, il va pas tarder à me pomper l'air. Dritron, Bête Artisan des Ténèbres, et je le sens bien, je le sens pas du tout. Et Faklar, Tribrigade, Phoenix du monde virtuel, Fanfan, merci Fanfan. Ange déchu, surprise à la main, Panda Jabber, Vespanoto, la guêpe fourreuse et Dogmaticassisme. Alors les amis, on a enchaîné 3 boosters de merde, je sens que celui-là va être bien, je le sens bien, j'ai le pif les amis, je sens que celui-là va être ouf, il va être fou ce booster, je le sens, regardez, ça c'est lourd, ça c'est... Ah oui, c'est très très lourd, oui, je prends avec plaisir. Et oh, Dogmatica, la vertueuse, chez toi, fusion spirale et résonance, tac tac tac, pingouin courageux, parade, tac tac. Bon, j'avais pas le pif du tout, hein. Le booster est en demi-teinte. Fusion d'amour high, très très bonne carte, transigale. Oups là. Requin 6 circulaire. Croco dragon, ok, point d'avertissement, dragon noctovision, trappe du fossoyeur. Oh c'est la vie, la 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 la. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait plaisir les amis. Trag-froquet. Chevalier du raid encore une fois, les Melfi, j'en parle même plus. J'ai dit que j'en parlais plus. Blizzard. Oh mais c'est pas vrai, genre remboursable. Griffe de fer Gookie, Fille de la Rose, Salamangrande Zebraid X, Pégase devant Ignister, Primadonna des Profondeurs, Récif Grand Bulle Marin Cess, Alomerus Traptrix, Aria des Profondeurs, Aria la Chameuse Merci, Perse Ténèbres, encore une fois, Signe et Inflexipateur. Okay. Pascal, merci, Dogmaticassisme, Découpé, Bloc Roule Vitesse Roid, alors ça je prends merci, Stena la Reine Rika, 1 ou 8, 8. Allez, salut! Arjet Lightcraft, Codeur Bavard à l'envers, Sentinelle des Profondeurs, Récif Grande Bulle Marin, Cessrafa le Lien, Destruction Mutuelle à Fourré, Chien de Meute Magique, oh, oh, hey, oh, Cowboy, yeah, Dragon X6, La Rébellion de l'Arc, écoutez, ça fait plaisir, première fois qu'on le chope, je l'avais en anglais, mais écoutez, en français, ça fait, ouh, Pioche Ardente, mais c'est la main, oh, c'est la main de Soulburner, ça, et ouais, c'est la main de Soulburner de Yu-Gi-Oh! Brains. Albaz, merci. Prison de glace, ouais. Et ouais, Bleu Merce Fourrure. Oh Resin Rio, ok. Exécution du contrat, Queen Chevalier, Chat à 9 vies, Requin 6 circulaire, Croco Dragon, Gatchiri, Portrait démoniaque, contre encore toi. Oh, Ariel, je m'en fous. Enerval, je m'en fous. Ouh, m'en fous. Pilote Union, tac, tac, tac. Ok, montre très bien. Pupi Melfi chez toi, Prufines, oh là là, la barbe, genre remboursable. Il y a des boosters vides partout par terre, ça va être chiant à ranger. Règne Rouge, très très bonne carte, il m'en fallait une deuxième, je l'avais qu'une fois. Ça fait plaisir, Gouki le puissant ogre. Ça c'est un truc de ouf, ça fait plaisir. Géonateuse transverse, ouh, il est beau gosse lui. Oula. Je sais pas à quoi il sert, mais il est beau gosse, je m'en fous un petit peu, je vous avoue. Arrière, si on a déjà eu, et Brigand, le dragon de la gloire. Surprise à la main, parier de corne d'Olifant, dragon feuilliné. Ok, les amis, je vais pas vous mentir, je commence à stresser un petit peu, parce que je vois qu'il me reste que 5 boosters. Donc, j'aimerais bien avoir un truc de ouf, là. Ah, je veux crier, je veux un truc de ouf. Ah oh
Super, génial. Picard, bah franchement je suis content. Franchement Picard et Mister à choper, ça fait plaisir. Win, ok, et vitesse roid. On prend les amis, on prend tout avec plaisir. Astolfo, ouais, magicien proxy, if, descente de torpille, Gussari, Ignister, fête Julien, Templier des Ténèbres. Ah, artillerie, tortue catapulte, c'est la première fois qu'on la chope. On va faire référence à la fameuse tortue catapulte. Bah écoutez, ça fait plaisir. Avancée lourde, ouais. Wendy encore what. Et oh Lulu est mon merde. Eldured, ok. Tac. Résonance inflexible. Robot endormeur. Rev time. Découpé et ce sera tout. Les amis, l'heure est grave. Il nous reste que 3 boosters. Donc on va choisir parmi ces 3 boosters. Lequel on va ouvrir en premier. J'ai l'impression de choisir entre les 3 premiers Pokémon. Hein. Mais là, on va choisir les premiers boosters. Donc je vais commencer par... mon petit doigt me dit celui-là. Donc c'est pour ça que je vais commencer par celui-là. Exécution du contrat. Gaïa, merci. Requin 6 circulaire, Sentinelle des profondeurs, Astolfo, Pégase devant Ignister, Dragon X6 encore une fois. Mais écoutez, je prends avec grand plaisir, merci monsieur, Gizmec, oh, allez chez vous, arrière et oh, ça par contre, c'est très 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 fort. Alors ça, moi qui kiffe, jouer pote artiste, Dieu impair, tout ça, ça les amis, ça fait kiffer. Derrière, on aura encore toi Lulu et encore what, Ruff Tourquin, Blizzard. Oh, les Melfi là. Oh là là. Encore deux boosters, les amis. Ça va être chaud. Alors, Renaissance AI de LE. Dragon Ignister lumineux. Machin, ok. Trip Cookie. Rituel Die. Ouais. Règne Rouge. Ouais, si tu veux. Monde du Tour Pot Artiste. Drigama Eltin. Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire. Alors, ça c'est génial. Je l'avais même plus. Et je la rechoppe, donc je suis content. On l'avait pas eu de toutes les ouvertures, donc ça fait plaisir. Et Rhea encore what. Et oh, Javier qu'on a pour la 8e fois. Il commence à me saouler. Il est mignon, mais il commence à me saouler. Fenimelfi, Ange Déchu Gâté, encore Dolifant, Ange Déchu, Clochelien et Oliver. Lui, Miskin, il est tout le temps à la fin des boosters. Personne l'aime. Tout le monde s'en fout de toi, Oliver. Les amis, l'heure est grave. Nous voici, nous voilà sur le dernier booster. Le tout dernier booster des 10 Tin Box qu'on a ouvert ensemble. Alors franchement, pour l'instant, on a eu des bons trucs, je vais pas me plaindre, je suis très content de l'ouverture, pas vous mentir, mais là j'ai envie de gueuler ma race, j'ai envie de perdre mon âme, j'ai envie de crier tellement je suis content d'avoir un truc de ouf, mais je le sens bien, j'ai le pif, le zen, je vais l'avoir, regardez, on aura que des trucs de ouf, toujours ouvrir délicatement, sensuellement le booster pour se porter chance, avec amour, tendresse et délicatesse, toucher et caresser le dos de la dernière carte, ça porte bonheur. Et on commence tout de suite avec Ibisela. Ok. Alors, ça commence bien. Le pif ne trompe jamais, les amis. Alors là, on aura du très très lourd, je le sens. Vous savez quoi, on va se faire un petit suspense. Il y a combien de cartes d'attente? Bon, c'est vrai, la 4 dernière. Et normalement, on enlève les communes de la fin qui servent à rien. Découpé, ouais. La guêpe fourreuse, ok. La reine Rika, 1 ou 8. Je vous ai dit 8. Et Cathy Melfi. Ok, donc là, c'est bon. Là, on est bien. On n'aura que des foils. Alors, ok. On a des foils et il faut que l'ouverture soit folle. C'est parti. Dragon X6, la rébellion de l'arc. Chariot Samouraï, je le sens plus, là. Oh, j'ai envie de crier toutes mes forces, mais il est 2h du mat quand je tourne cette vidéo et les voisins vont me casser les steaks hein, si je crie là, mais oh là là, j'ai envie. Wow, je vais faire des pompes, je trouve que c'est de faire des pompes, je reviens tout de suite. Je vous l'ai dit, le pif, les amis, on a que des trucs de ouf. Il me le fallait. Ah, at the stoner du ciel. Ouais, ça, je m'en fiche. Et ouf. Bon, je m'en fous, il coûte rien, lui. Et derrière, ok. Oh là là, il est là, regardez-moi, Zeus, les amis. Zeus. Pff, quelle ouverture de folie. Écoutez, franchement, l'ouverture était extraordinaire. J'ai passé un excellent moment à ouvrir tout ça.
J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon moment, qu'il y a eu du suspense, hein. Il y a eu du suspense dans ces ouvertures. On a vraiment eu des trucs très très bien, des trucs très très nuls, hein, les Melfi, je parle de vous là. En tout cas les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu dans cette inbox, si vous avez eu plus de chance que moi. Je pense que oui, parce qu'en général, je suis pas très chanceux dans mes ouvertures Yu-Gi-Oh, mais là ça va, là ça, franchement ça a été, j'ai eu vraiment des très très bons trucs. Je suis très 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 content les amis, donc voilà, la inbox, c'est la vie.